Les petits, pour ce jeu, vous avez besoin de toutes vos cartes. Si vous avez préparé plusieurs jeux, vous pouvez toutes les mettre. On les retourne. Pour jouer, je tire une carte. Je regarde ce qu'il y a sur ma carte et je dois aller chercher dans la maison autant d'objets que de points. Pareil. Alors, ici, il faut ramener... Pareil que la carte, on vérifie. Est-ce que j'ai réussi? Pour vérifier, je pose sur les points. Et là, j'ai bien pareil que la carte. Si vous ne savez pas, les enfants, dire combien il y en a, c'est vos parents qui peuvent vous aider. Là, j'en ai ramené 3. Et après, je retourne ma carte, je mélange. Et je tire une autre carte et je vais chercher pareil. Quand on apprend à compter en maternelle, on regarde la quantité. D'accord? Donc il est important de leur montrer que c'est l'ensemble qui fait ici 1. Et si je mets encore 1, c'est tout ça qui fait 2. Si votre enfant ramène ça d'objet, il est important de lui dire tu as ramené 1, encore 1, encore 1. Là, ça fait 3. Ça, c'est important pour qu'il comprenne ce qu'est la quantité. Si vous lui dites 1, 2, 3... Il va croire, parce qu'il est en train de construire la quantité, que ça, ça s'appelle 1, que ça, ça s'appelle 2 et que ça, ça s'appelle 3. Comme si je disais allumette, plume, feutre. D'accord? Même s'il sait ce que sont les objets. Il est important de parler en quantité et pas en numéro. Donc c'est 1, encore 1, ça fait 2, encore 1, ça fait 3. Voilà, c'est pour ça qu'on reste sur des petites quantités.